Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, au Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 65. Ô Dieu, dans la cité de Sion, tu mérites bien que chacun te loue et tienne les promesses qu'il t'a faites, puisque tu accueilles les prières. Tous les humains viennent à toi, chargés de leurs fautes. Mes torts sont trop lourds pour moi, mais toi, tu peux pardonner nos péchés. Heureux ceux que tu as admis à passer un moment chez toi. Nous aimerions profiter pleinement de ce qu'il y a de meilleur dans ta maison, dans le temple qui t'est consacré. Dieu, notre Sauveur, tu es fidèle à toi-même. Tu nous réponds par des actes impressionnants. Toi en qui espèrent les peuples du bout du monde et des rivages des plus lointains. Tu forces les montagnes à se mettre en place. Tu es armé de vigueur. Tu apaises le mugissement des mers, le mugissement de leurs vagues et le grondement des peuples. Devant tes interventions marquantes, les habitants du bout du monde ont pris peur. Tu fais crier de joie l'Orient et l'Occident. Tu t'occupes de la terre, tu l'arroses en abondance. Tu la combles de richesses. Ô Dieu, ton ruisseau est plein d'eau. Tu prépares le blé pour les hommes. Tu mets la terre en état. Tu irrigues ses sillons. Tu aplanis ses mottes. Tu la détrempes par la pluie. Tu donnes aux graines la force de germer. Tu achèves en beauté une année de bonté. Sur ton passage, l'abondance ruisselle. Les pâturages de la campagne ruissellent de la même richesse. Des collines s'entourent de cris et de joie. Les prés portent un manteau de troupeaux. Le fond des vallées se couvre de blé. Toute la campagne te fait ovation et te chante. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Sophonie au chapitre 3, les versets 14 à 20. Éclate de joie, ville de Sion. Criez de bonheur, gens d'Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les condamnations qui pesaient sur vous. Il a fait fuir vos ennemis. Le Seigneur, roi d'Israël, est avec vous. Vous n'aurez plus rien à craindre. Le jour vient où l'on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, ville de Sion, ne te décourage pas. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Il est fort et t'assure la victoire. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il pousse des cris joyeux à ton sujet, comme en un jour de fête. Je supprimerai le malheur, dit le Seigneur.
J'enlèverai la honte qui pèse sur vous. Voici le moment où je vais punir tous ceux qui vous ont opprimés. Je soignerai vos blessés. Je ramènerai les exilés. Je changerai en gloire et renommée le mépris que l'on vous témoignait partout. À ce moment-là, je vous ramènerai et vous rassemblerai. Vous le verrez. Je changerai votre sort. Je vous donnerai gloire et renommée parmi tous les peuples de la terre. C'est le Seigneur qui a parlé. Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 15 à partir du verset 40 jusqu'au chapitre 16, le verset 7. Quelques femmes étaient là, elles aussi, et regardaient de loin. Parmi elles, il y avait Marie du village de Magdala, Marie la mère de Jacques, le jeune et de Josès et Salomé. Elles avaient suivi Jésus et l'avaient servi quand il était en Galilée. Il y avait là également plusieurs autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Le soir était déjà là quand arriva Joseph, qui était d'Arimathée. Joseph était un membre respecté du conseil supérieur et il espérait lui aussi la venue du royaume de Dieu. C'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. C'est pourquoi Joseph alla courageusement demander à Pilate le corps de Jésus. Mais Pilate fut étonné d'apprendre qu'il était déjà mort. Il fit donc appeler le capitaine et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Après avoir reçu la réponse de l'officier, il permit à Joseph d'avoir le corps. Joseph acheta un drap de lin. Il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de Josès, regardaient où on mettait Jésus. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Très tôt, le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée de côté. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme, assis à droite, qui portait une robe blanche, et elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples, y compris à Pierre. Il va vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Ici se termine la lecture. Voici quelques pistes de réflexion sur ce texte de l'Évangile selon saint Marc. Ce texte nous parle de
quelques femmes qui sont restées jusqu'à la mort de Jésus. Elles étaient présentes au pied de la croix. Elles ont assisté courageusement à l'agonie de Jésus sur la croix. Elles sont restées fidèles à Jésus, elles qui ont accompagné Jésus pendant sa mission. Ce texte nous parle aussi de la présence de Marie, qui était de Magdala, une ville de Galilée. Elle était avec ses femmes qui ont suivi Jésus jusqu'à la crucifixion. Elle est présentée par les évangiles comme très proche de Jésus. Et Marie de Magdala a été le premier témoin de la résurrection. Comme il se faisait tard et que le sabbat allait commencer à 18 heures, les femmes voulaient s'assurer du lieu où le corps de Jésus allait être déposé. Elles voulaient y retourner après le sabbat pour embaumer le corps de Jésus comme exigé le rituel juif. Était aussi présent un homme nommé Joseph, qui était d'Arimathée. Ce Joseph faisait partie du conseil qui a condamné Jésus. Il est décrit comme un homme juste et bon, car il ne s'est pas associé à la décision de crucifier Jésus. C'était lui qui a obtenu l'autorisation de Pilate de prendre le corps de Jésus de la croix et il a placé son corps dans un tombeau. Le dimanche, à l'aube, ces quelques femmes sont parties au tombeau. À leur étonnement, elles ont vu la pierre rouler de côté. Elles étaient curieuses. Elles sont entrées dans le tombeau. Mais le tombeau était vide. Le corps de Jésus ne s'y trouvait pas. À la place, un jeune homme, tout de blanc vêtu, s'y trouvait et il demandait à ses saintes femmes d'aller dire aux apôtres que Jésus est revenu de la mort à la vie. Ces femmes ont été les premières à annoncer cette bonne nouvelle. Comme ces femmes ont cherché Jésus, nous aussi nous sommes exhortés de chercher Jésus dans nos vies. Nous sommes appelés à découvrir Jésus, lui qui est toujours présent, se donne à voir à ceux qui le cherchent, se laisse reconnaître à ceux qui veulent le voir. Ces sept femmes sont un exemple de courage et de fidélité. Et cette pierre représente chaque obstacle qui nous empêche de voir Jésus, qui nous empêche d'aller à la rencontre de Jésus, qui nous empêche de le chercher. Il nous faut prier pour que cette pierre soit roulée de côté, afin de voir et rencontrer Jésus. C'est notre cheminement. Ces saintes femmes ont transmis aux autres leur foi, car elles ont vu et elles ont cru. À nous aussi, Jésus nous demande d'aller dire à notre frère, à notre sœur qu'il est vivant. À nous de continuer cette mission, d'aller dans le monde pour dire que le Christ est ressuscité. Il est le Christ vivant. Amen. Simplement, je m'abandonne. Tes mains qui me façonnent, maître de
Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocation A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable,
Tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec nous. Amen. Wisdom, grow.